c'est vrai qu'il n'y a pas de style Simon Gauzy parce que j'ai. Enfin, en fait, je fais un peu de tout. Quand j'arrive à. C'est un de mes points forts. J'arrive à m'adapter en fonction des joueurs que je joue. J'arrive des fois à jouer en prenant la balle assez tôt. Même si c'est pas mon point fort, j'arrive à le faire de temps en temps. J'arrive à jouer à mi-distance puisque c'est mon point fort. Je suis quand même assez. Entre guillemets costaud dans ce domaine-là, puisque bah, c'est un peu mon système de jeu. Voilà. Dans un match, ce qui fait ma force, c'est que l'adversaire peut rarement s'adapter complètement à mon jeu. Il est obligé de chercher des solutions tout le temps, c'est ce que voilà, c'est un peu mon point fort. Quoi. Ben, au niveau technique, c'est vrai que j'ai un revers qui est très performant par rapport à mon âge et à mon niveau. Donc, niveau technique, j'ai une belle technique en revers. Coup droit commence à vraiment prendre bien forme, c'est encore sur quoi je dois travailler. Le physique, j'étais très mauvais il y a encore 2 ans. Là, j'ai vachement travaillé avec Franck Mété, Michael Simon. Ça devient un de mes points forts puisque je ne fatigue plus pendant une compète, je ne fatigue plus. Par exemple, sur cette période de 4 pro tours, il n'y a pas un match où un peu vers la fin j'ai commencé à diminuer physiquement, mais voilà, sinon ça a été. Et tactiquement, il y a encore un an, on me reprochait de trop chercher de solutions et de pas assez jouer. Maintenant, j'arrive à faire la part des choses, à réfléchir quand il faut réfléchir et à jouer quand il faut jouer. Donc je dirais 50% de tactique, 30% de technique et 20% de physique. Voilà.